Hey, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, eh bien, je viens juste d'arriver. Bon, ça doit se voir sur mon visage, à mon avis, que je suis un peu fatigué. La nuit a été très courte dans l'avion, parce que c'était un vol de nuit. Enfin, je pensais vraiment que la 380, ce serait vraiment quelque chose d'inoubliable. Eh bien, effectivement, ça a été inoubliable. 10 heures de vol, 3 heures de turbulence. J'ai cru que j'allais mourir à peu près une dizaine de fois. Mais enfin arrivé, juste devant l'hôtel, là, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait extrêmement plaisir d'être là, vous voyez, en plus il fait super beau. Aujourd'hui, bah, du coup, c'est assez simple. En fait, on va préparer une compétition, et c'est la raison pour laquelle je suis là. On prépare une compétition pour sur asphalte. Et c'est une compétition avec MTN, qui est un énorme opérateur téléphonique ici en Afrique et en Afrique du Sud. Et du coup, eh bien, le but du jeu, ça va être assez simple, comme je disais. Ça va être de... alors que les voitures passent derrière, eh bien, ça va être de tout préparer, de tout mettre en place. Un petit peu à l'image de ce qu'on a fait à la Paris Games Week. Sauf que cette fois-ci, à la Paris Games Week, cette année, ce sera avec Orange. Et ce sera à la Paris Games Week à Paris. Et bien là, ce sera à la Comic Con. La première Comic Con qui va avoir lieu en Afrique du Sud. Et ce sera pour MTN. Mais ce sera quasiment similaire. Donc aujourd'hui, on va aller voir les maquettes du... tout simplement les maquettes de ce qui nous attend. À savoir le booth. Ce qu'on appelle le booth, c'est-à-dire le stand. Là où on va pouvoir organiser la compétition. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de boulot à faire forcément. Pour que tout soit en ordre. Mais j'ai confiance, ça devrait le faire et ça va être sympathique. Un petit peu le backstage de cette première Comic-Con qui aura lieu en Afrique du Sud, et en particulier en Afrique. C'est la première Comic-Con qui a jamais été réalisée en Afrique jusqu'alors.
Donc, bon, il y a encore pas mal de choses à faire, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a encore beaucoup de boulot. On va rentrer un petit peu à l'intérieur, je vais vous faire voir. En plus, on vient d'avoir une surprise qui vient juste d'arriver pour Asphalt, qui va être assez sympathique, parce qu'à la base, on n'était pas sûr de pouvoir l'avoir, et là, elle vient juste d'arriver. Mais bon, j'arrête de vous en parler, et je vais vous emmener directement. Ce qui vient juste d'arriver sur notre stand, c'est ça. Sympa, non? Je vous la fais voir ou quoi? Ouais, je la conduirai tout à l'heure. Ouais, bah ouais, normal, on va se faire un petit peu plaisir. Non, je sais pas, enfin, on verra. Je vais demander au mec qui gère ça quand même, ça me semble normal. Mais ça a l'air assez sympathique, vas-y. Comic Con, donc c'est l'ouverture elle a été faite, le petit badge a été donné, voilà, et donc là je suis à l'extérieur, je suis en train de balader, d'ailleurs je sais pas si vous remarquez, mais en fait c'est là qu'on voit bien les pit stops pour le circuit, parce qu'on est juste à côté du circuit, là c'est le circuit, et là c'est le pit stop, et du coup, on va passer ici la journée, donc là on a beaucoup de travail pour essayer de faire en sorte que tout soit en place pour la petite compétition Asphalt qui va bientôt débuter. Donc très sympathique cette Comic-Con, vraiment très sympa, il y a beaucoup de monde qui vient d'arriver. Donc là en fait vous ne voyez pas, mais là je suis à l'extérieur, mais là c'est l'intérieur. Comme si on était en fait, vous le voyez, c'est exactement les stands ou les écuries en fait avec les numéros. Et là on est vraiment juste là où, comme je le disais, les voitures s'arrêteraient s'il y avait un petit pit stop. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais là en fait on est sur le stand directement où les gens ont commencé à arriver et où avant le gros tournoi e-sport qui va être organisé, eh bien on fait un tournoi où tout le monde peut participer. Donc en fait il y a 8 personnes qui se rencontrent, qui sont juste derrière moi, voilà. Et ces personnes-là en fait, du coup, elles auront peut-être la chance tout à l'heure d'aller en finale. La finale elle sera sur l'autre scène, celle qui est dehors. Bon allez, assez parlé. Je vais vous faire voir maintenant l'intérieur de cette Comic-Con, la première Comic-Con en Afrique. Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, on est prêt. Là, le petit polo, tout y est. La lumière aussi en fait tronche parce que forcément, on est en Afrique du Sud et qu'il fait très beau. On est au jour 2 aujourd'hui. Et en fait, hier, ce qui s'est passé, pour avoir un petit récapitulatif, il y avait une compétition, mais c'était une compétition où en fait on invitait les personnes dans le public, tout simplement. On invitait les personnes dans le public et à la fin, il y avait la possibilité pour une des personnes qui a eu, c'est ce qui a eu lieu, d'aller jouer sur stage là-bas. Ici, ça c'est le big stage, c'est là où il y aura la grande finale, pardon, ici. Et du coup, cette personne, elle a gagné 100 euros. Mais aujourd'hui, c'est le big tournament, il est en train de commencer, donc c'est un peu la folie. Donc c'est
tous les meilleurs joueurs qui ont participé au TLE, en fait qui ont participé aux compétitions online, les 8 meilleurs finalistes, les 8 meilleurs joueurs d'Afrique du Sud, ils se rejoignent maintenant, mais je vais vous le faire voir. Let's go. Là, le premier match a commencé. Et les deux joueurs sont là. Un des joueurs est là, bien évidemment, vous le voyez. L'autre joueur, je vais vous le faire voir. Va jouer en face. Ici, donc on se retrouve tout à l'heure et à la fin du tournoi qui aura lieu toute la journée, bah c'est simple, le meilleur, les deux meilleurs ils auront le droit à partir exactement comme hier, sur stage, et là en revanche ils se partissent. Those wrecks just ruin your momentum. Has not got too much nitro bar on his side. And remember, when we go to Iceland. Oh. Enjoy the music. It doesn't stop now. Enjoy the music. Thank you so much, Rob. Boy from Game Top. What do you have to say for the fact that my YouTube channel, The Salty Academy, just reached today 30k followers? What, you have a 30k follower YouTube channel? Yeah. Dude, that's amazing! I don't know, I'm subbing now. Let's make it 30,001. What's your channel's name? Salty Academy. Salty Academy. There we go. Oh, it's so close. What? There we go, yes. Yeah, that's just perfect. Just clocked him. That's perfect. Do you want that? I like your thumbnails. I'm stealing that water. Go for it. That's amazing. Dude, it's amazing. Yeah, you better start. Yeah, I will. We should do some Twitch streams together. I will. Et voilà les amis, l'aventure est terminée, 5 jours de ouf en Afrique du Sud, vraiment vraiment bien. Beaucoup de boulot comme vous le voyez, bien l'aventure elle se termine souvent et bien là où elle démarre, à savoir dans un aéroport. Vous le voyez, j'ai mon gros avion qui m'attend maintenant, je rentre, j'arriverai, il sera à 5h demain matin. C'est vraiment un truc de fou, vraiment beaucoup de boulot. Pas mal vraiment, et à part aujourd'hui où ça a été un petit peu plus relax, montrant beaucoup de boulot, la préparation d'abord de l'event, et puis ensuite la préparation sur place à la Comic Con, et puis ensuite les 2 jours de Comic Con, et puis aujourd'hui le 3e jour de Comic Con, mais un petit peu plus sympathique, un petit peu plus relax. J'ai pu au moins faire le tour et prendre quelques petites vidéos que vous avez vues juste avant dans la séquence. Normalement, si Mary a fait tout comme il veut, comme il peut, et surtout comme il doit. Bon, du coup, j'ai pas réussi à prendre la Lamborghini parce que, bon, vous pouvez comprendre, je me suis rabattu sur autre chose, une autre voiture.